Hola amigos, somos en España. Salut. Voy a hablar español toda la semana. Y si no te va, no me ahoga. Oh, ¿eh? Me vas a la teta, ¿ok? C'est de la gélatine. C'est lourd. C'est de la gélatine. Attends. Ah là là, on les tient pas ces gamins. Qu'est-ce que tu fais là? Au sein du déodorant parce que tu pleures. J'ai un bouton en dessous du pied. Là. J'en peux plus. Si, pero. Je vous ai pas montré les chambres à notre arrivée. Donc voilà, c'est le bordel. Et c'est un leaking size, les gars. Ça veut dire qu'il y a la place pour 4 fois nous, quoi. Voilà, donc ensuite nous avons le salon. Franchement, la déco, il y a quelque chose. Hein. La cuisine. Alors, par contre, il y a un problème avec la salle de bain, c'est que la douche est cassée. Ça, c'est un peu abusé, mais bon, ça va. Elle donne sur ça, c'est super. Et la chambre des garçons, voilà. Nous on a pris le lit double. Yes, we're in Barcelona. Soy en Barcelona. Vamos al rooftop. Nous allons au rooftop où on voit tout Barcelona. Barcelona. Rom, piscina. Hey, t'es bon l'écran, c'est un écran. Oh putain. Ouais, derrière une vitre, okay. Pour protéger. Attends, journey number one, hand. Hi guys! On vient de finir la première journée. Fait à peu près 5 heures de bus. 5h30 de bus. Non, pas 5h30, on est parti à 10h, Océane. On est arrivé à 14h. On est arrivé à 15h, Océane. On est arrivé à 15h, Océane. Voilà. Voilà. Donc c'était très sympa. Bon, la seule chose, c'est que les rues le soir sont un peu inquiétantes. Deux filles toutes seules, par exemple, ce serait un peu flippant, je pense. On se retrouve demain, ciao! Bonne nuit! Elle est sèche! La chaussette d'Ozène est sèche! Ouais! Ah, Alison! On est ravis! Il est 9h24, oui. Dylan déjeune, il y en a pour 2h30. Pour mon père Dylan sur ton petit déjeuner. Il est top! J'ai pas commencé. Merci beaucoup! Merci! Eh, hey, mais mon bronzage, les gars! Je suis dorée, quoi! On va y aller en vélo! Comme en France! Et Billy, genre! Par contre, elle est super! Les vélos électriques, c'est des bicing. Hola señorita, quiero un bélip. On abandonne les vélos, c'est beaucoup trop compliqué. Alors là, on comprend rien, déjà c'est de l'espagnol, il faut reprendre. Et en plus, faut s'inscrire avec la carte d'identité et tout. C'est trop chelou. Du coup, on va prendre le bus. En Valencia, Espagne. Regardez comment c'est joli. Alors ici. Tengo la photo. Si j'étais malade en bus, je serais fait jeter les bus. Non, moi j'aurais juste pas payé. On a pris des billets, il faut échanger à l'office de tourisme pour qu'on nous donne des tickets. Parce qu'en Espagne, ils sont encore à l'âge. Autant ticket du Moyen-Âge, ils font un ticket à mettre dans la machine. Et on l'avait pas.
C'est moi qui ai dû parler espagnol pour lui expliquer qu'on savait pas qu'on avait acheté et tout. Il nous a dit en gros, paye quand même. Voilà, donc on a payé. Alors on quitte la France pour aller dans une pharmacie. Regarde, c'est fermé à dos. Hein. C'est pas un truc de 40 euros. Et c'est là que des triomphes de l'espagnol et que c'est muy bello. Voilà, voilà. Espagnol. Bon, ça vaut pas l'arc de triomphe français, hein. avec de jolis espagnols, bien sûr. À sa photographie là. Vas-y. Pas soleil. Bon, du coup, on s'est acheté des lunettes. Elles sont trop belles. Tout à l'heure. Ouais. Voilà, bon, on a nos lunettes. Waouh, c'est joli. Mais le sol. Muy calor. Là, on est au port de Barcelone. On va aller manger. Ensuite, on ira au parc Güell. Parc Güell, c'est un très très joli parc. Là, pour ça, on va manger parce qu'on a chaud et soif. Ah, donc nous avons de la sangria, des frites avec de l'aioli, moi j'ai pris du poulet avec de la sauce piquante et une omelette. Il y a du pain avec de la tomate. Une salade de pâtes avec crevettes, crabes et ananas. Bon appétit les gars, on va se régaler. Donc là on est au parc Güell. Güell. C'est un très 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 joli parc. Et ça c'est la maison de Gaudi. Très très joli. Oui, c'est Gaudi. Gaudi c'est un artiste espagnol. Ça pour remonter. Oui.
calories aujourd'hui que j'en ai brûlé quand j'étais pas en vacances. Ce qui n'est pas forcément le but. Mais bon, la motivation de mon père n'a pas d'égal. Oh putain. Mais je vais pas réussir à aller jusqu'au bout. Je serais tombée avant, je vous le dis. Mais les marches sont inégales aussi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attaque des pigeons. C'est pas possible. On veut pas que je monte là. Il y a découvrir et découvrir. Il y a découvrir et mourir. Ok, je veux pas mourir. Buvez de l'eau, moi je vous le tiens. Là, c'est pas un parc là, c'est une ville. Hein. Non mais regardez, on les arrive. Bon, t'as un euro pour une agua là, je veux bien me faire avoir moi. T'as tout là. Mais là, mais coucou, j'ai si tu veux rester. Là, ils veulent monter encore tout là-haut. C'est comme si on n'était pas assez haut. Faut monter encore. Il n'y a pas plus haut. Eh, attendez-moi parce que je vais tomber au moins 3 fois. Si je filme et que je monte en même temps, c'est vlog hôpital. Ok, donc c'est mon père qui filme. On va monter jusqu'à là-haut là. C'est parti. Dylan, commentaire. Oh bah écoute, on est parti pour monter assez haut. Comme vous pouvez le voir, il y en a deux derrière qui sont en train de galérer. On sait pas si on les retrouvera en haut. S'il y en a une qui tombe, l'autre tombe avec, c'est sûr. Koh-Lanta. Oh, allez. Mon nouveau sac. Allez, continue. Tu veux le mettre dans mon sac? Non, même pas, il rentre pas. Attention. C'est bon. Oh. Allez. On va retrouver ça d'en bas là-bas. Nous avons plus qu'à descendre maintenant, qu'est-ce que t'en penses Océane de la descente Océane? Allez, je me laisse tomber. Océane elle a plus de cerveau. Après l'effort. Le réconfort. On a fait 1800 calories depuis ce matin. Et on a fait 15 000 pas. Plus de. Et je reprends. elle souriait pas tout à l'heure, mais là, ça va mieux là. Le projet c'était d'aller à la plage. La fatigue a clairement insisté pour que nous n'y allions pas. Donc nous n'y allons pas. Le bus aussi d'ailleurs, parce que nous avons entendu. Et donc nous avons pris le bus pour rentrer. La fatigue s'est foutue de notre gueule puisque nous nous sommes tombés de côté. Nous sommes enfin dans le bon bus, nous allons pouvoir rentrer. J'ai les pieds en compote, je pense que c'est le cas de le dire. Si j'enlève ma chaussure, mon pied dégouline comme une compote. Je prends ma douche, je me mets sur mon lit comme voilà. Là. Nous sommes à la maison, enfin. Il a été déterminé que nous avons effectué 15 538 pas marchés. 10 km 9 et monter 35 étages. Je pense que cette journée, elle est rentabilisée là. Voilà les gars, donc c'est tout pour la journée d'aujourd'hui parce que ce soir, on fait rien. Et demain est une autre journée. Ciao. Il y a eu quelques altercations, bon. Regarde.